Téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision Nationale d'Haïti, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le journal Mi-temps Journée. Pour démarrer le journal, ça, nous allons recevoir la collaboratrice nous, Nicole François Selom pour conditions météorologiques Journée. Salut à tous, après une longue semaine de pause, moi content retrouver nous pour porter pour nous prévision météo sur pays qui j'en condition voyez. Et bien nous allons apprendre ça avec différentes images nous comme à l'accoutumée. Gen yon zone de haute pression qui toujours chita au niveau Atlantique Nord là qui kembe yon temps réellement stable sec au niveau toute région Caraïbes blanc et qui drainé yon flux assez fort. Donc ça veut dire présence vent qui soufflait presque au niveau région, donc Haïti tout li en bas influence même type de temps ça côté c'est vent qui soufflait et permet à ce que nous gon temps qui réellement poussiéreux au niveau pays avec activité la pluie qui réellement ralenti. Et je dis à même pendant toute la semaine, on a toujours gagné observation, il y a un temps qui sec au niveau département, sans presque pas gagner activité la pluie du tout. Pour après ça, avec les gens qui sont côté de l'océan, encore même style de temps, il y a un ciel qui plus ou moins dégagé avec présence de quelques nuages au niveau tête monio, va souffler encore de manière modérée au niveau Port-au-Prince, pas gagner trop de chance pour gagner la pluie qui t'a tombé sur Port-au-Prince avec les gens avoisinants. Et température là, elle toujours varié entre 30 jusqu'à 33 degrés Celsius sur quelques zones et minimalement encore dans la soirée, elle descend entre 18 à 20 au niveau région 1. Donc, par rapport à temps vent qui soufflait, donc la bonne nuit qui ventilait, ça permet à ce que nuit la plus ou moins agréable côté température. La page maritime, non, côte nord, golfe de la Gonave et puis côte sud pays, c'est toujours des vagues qui sont très hautes par rapport à vent qui soufflait. Ça permet de vagues monter entre 8 jusqu'à 10 pieds au niveau de toute côte. Même golfe de la Gonave, pas tranquille, c'est jusqu'à 6 pieds. Donc pour raison ça, on a conseillé capitaine pour toujours très prudent les naviguer au niveau de toute côte nous. Et avant nous aller dans la page astronomique, là, le soleil a couché sous Port-au-Prince jeudi à 5h51. Il y a pleuvé demain matin à 6h16. C'est un réel plaisir pour nous être ensemble pour l'information sérieuse. Madame, Monsieur, merci pour attention nous. Bon après-midi, bonne soirée et à très bientôt. Merci Nicole, François Selom. L'autre information dans le journal ça, yon di fait éclaté hier dimanche 18 février dans marché du port dans zone bicentenaire Port-au-Prince. Di fait ça qui était commencé bon midi comme ça, ravagé ak flamme locale ak marchandise machanyo. Machanyo qui dit yo indigné face à situation ça qui ont l'autre fois craser économie yo, mandé autorité yo agi pour éviter pratique ça yo qui pas bon pour yo. Ça fait un deuxième difé dans moins passé un dizaine de jours qui boulait des marchés publics dans la commune Port-au-Prince. Côté déclaration quelques marchands. Nous avons dit que nous ne connaissons pour qui ça, c'est ça nous avons dit. Oui, pour vous, est-ce que vous avez dit un mot dans le bagage ça, parce que chaque jour nous avons dit que nous ne connaissons pas. C'est pas ce que disent les taxes, non, mais nous, la jambe. Mais à partir de qui les taxes? Oui, oui, bon, exactement, peut-être dans les midi, comme ça, c'est les ça dit que après. Nous ne connaissons pas l'origine, nous ne connaissons pas, c'est où nous dit que nous ne connaissons pas. Bon champ pour nous, nous souhaitons un peu dit que. C'est vos journalistes venus et pour télévision venus pour nous venir faire constat. Lala! Marché a fermé, étant de nous dire dans la radio, marché a pris 10 faits. Nous sommes obligés de quitter quand nous venons là. Chaque côté pour nous passer l'embarras, là, nous ne voulons pas ouvrir pour nous passer. Actuellement, nous sommes obligés de venir. Nous ne connaissons pas cette mettre 10 faits. Magistrat en Port-au-Prince, Yuri Chevry, qui a constaté des dégâts 10 faits, estimé li pas possible pour mode action sa yo a répété dans commune nan. Yuri Chevry qui fait connait par contre côté difé a sorti dit l'attend résultat enquête la police ak la justice pendant dil pral travail pour aider marchand victime yo. Ces mêmes revendications en bon côté collègue li nan Kafou Jude Edouard Pierre qui croit li igent pour travail sous façon yo capable mettre camper yon vrai service pompier. Nous invite au suivre yon après l'autre déclaration yo. Presque 7 jours, tout fait dans deux marchés différents. Et dans le bas de la ville, c'est la réalité. La première réaction, c'était rejoindre le magistrat zone métropolitaine rapidement. Magistrat Jude, président qui est avec moi, parce que c'est eux-mêmes qui ont une capacité pour aider, pas de presse, Pétionville tout d'ailleurs. C'est eux-mêmes qui ont une capacité pour aider dans du feu, quand vous avez fait la dernière fois, quand vous avez toujours fait. Et pas de presse, pas capable de détenir, mais zone métropolitaine unie. Dans bon et mauvais moment, nous sommes dans ce carnaval ensemble, mais pendant ce temps, nous travaillons ensemble.
En attendant que mairie Port-au-Prince lui-même mette pompiers par là en place. Bon, c'est quand cool toujours fait. Nous allons chiter avec eux, nous allons conduire, nous allons faire canal là pour rejoindre l'État central là, tout pour aider, pour remettre sous pied, pour nous perdre. Et nous allons faire tout ça nous faire pour nous aider à recommencer le travail. Et nous ne pouvons pas raison du feu, ni première ni deuxième. Non. Seul ça me garde, je suis sûr que ce n'est pas fatracté pour le premier marché parce que je suis parmi trois personnes qui arrivent avant. Mais c'est la police pour mener l'investigation. La police déjà là. Il y a des gens pour le premier marché qui déjà interpellé. Enquête a commencé et nous avons la police pour aller. Présence nous comme Maïs Zakafou, c'est un signe de solidarité à collègue nous, Yuri Chevry, et bien pour nous aider l'éteinte du feu. Là. Moins d'une semaine après le passage du feu et senti le marché en fer, je dis à ces marchés qui voulaient ou parti qui voulait. Et nous sommes arrivés grâce à la vigilance pompier et bien et éviter que les douanes brûlent. Jusqu'à présent, du feu ça a sous contrôle, mais nous sommes que les gens menaçants. Je dis à nous pourquoi faire bilan état des lieux général de situation qu'il y en a ici, qui est assez catastrophique, qui est assez alarmante. Par contre, nous pensons que jusqu'à présent, il y a une intervention qui est plus ou moins acceptable qui fait, qui arrive à limiter les gars. Mais après, demain, nous-mêmes, magistrats, nous allons faire un point de presse pour nous dire ça nous joigne comme information et qui décision nous prend sur ce pompier pour nous déclarer urgence pompier. Et bien pour l'année 2018 là, parce que ce n'est pas possible pour qu'il y ait autant d'investissements dans le pays qui fait et que pas gagner une structure assez performante, opérationnelle, en temps et lieu pour sauvegarder bien et vie dans le pays à travers un service pompier opérationnel. On nous dit là deux marchés qui voulaient en moins de 11 semaines, ils ont mis un petit genre étrange pour une coïncidence. Ah oui, mais comme magistrat, je ne vais pas me dire origine parce que nous pouvons mener enquête. Par contre, la police peut mener enquête, par contre, nous inquiets. C'est vraiment difficile, ça crée un pile de doute, suscite un pile de doute pour nous dire qu'en moins d'une semaine, deux gros marchés dans la capitale là brûlé comme ça, alors que le premier marché pour gagner une fête foulie, ça fait environ 17 incendies qui prend en moins de 13 ans, de 2005 à 2018 là. Et pour que j'aime une grande enquête qui aboutit, déterminer l'origine du fait ça, et fixer sur la vidéo, et pas de mesure tout qui prend depuis lors pour renforcer la capacité de service pompier dans le pays. Donc je dis, c'est définitif, il faut que les mairies eh bien, s'associent eh bien, à la question de la gestion des pompiers en Haïti, en particulier sur 9 communes métropolitaines. Toujours sous même dossier, hein, sénateur Ouest, là, Patrice Dumont, qui te rendu sous place, déclaré sous Bopal, ses façons différents marchés ou administrés, qui la cause malais parfois. Il fait appel à sens responsabilité tout le monde qui travaille dans la question sécurité pour empêcher situation ça yo répéter pendant souhaiter la justice fait travailler dans le dossier ça. Suivez un extrait. Il n'est pas normal que chaque semaine, bon, tu fais dans le pays. Donc, bon problème très sérieux. Et. Bon gros mot français qui entre dans le créole là, tout qui entre dans haïtien, hein? Bon synergie qui gagne entre pouvoir central et pouvoir local. Ça veut dire que le pas normal, mais bien sûr, parce que c'est son problème de sécurité. Si vous parlez avec magistrat là, Yabdou, c'est prévention pour qui gagne. Et prévention doit être faite entre monde qui est responsable local yo, et monde qui est responsable national. Yo. C'est sécurité. Ensuite, si c'est bandit, c'est bon, moi envie de dire, c'est bon bail qui est difficile. Parce que depuis que sécurité a besoin de bandits. Et puisque bah, elle a répété comme ça, il n'est pas capable de se négliger seulement quand tu fais prendre s'arrêter. Et si c'est négligence qui t'a fait ça, gagner des mesures pour qu'il prend pour que marcher, c'est mon côté libre, côté n'importe qui fait marcher. Parce que vous voulez 4 personnes, 5 personnes, 10 personnes, après ça vous tournez 3 000. Et puis vous avez décidé de marcher à fête là. Ou bien marcher à même si marcher à l'autre là, vous avez fait 11 ans. Et puis dans l'autre moment, il y a plus de monde que ça que vous prévoir. Il a toujours capable d'avoir des problèmes. Ce n'est pas forcément du feu. Mais Kounia là, il faut que y ait une synergie ça, entendre ça, entre. L'un petit pouvoir, c'est l'un petit président, premier ministre, et puis magistrat. Pas que tu veux juste politique, on a parlé des pays. Son pays, avant nous tout là, au nom de qui ça m'aime avec nous, on a parlé parce que nous, non, pourquoi haïtien, non? Nous, nous sommes haïtiens, mais nous avons deux fonctions. Nous-mêmes, nous sommes journalistes, moi-même, c'est sénateur. Et, comme on qui unit nous, chaque métier, nous, mais comme on qui unit nous, c'est Haïti. Dans Haïti, chaque monde qui a un travail pour faire. Et par exemple, Kounia là, faut tout le monde, majorité dans le Sénat, minorité,
joindre avec les gens qui sont sur la sécurité, le ministre de l'Intérieur, Premier ministre, chef de la police, pour nous connaître dans quelles conditions que le pays a. Chaque deux jours, chaque trois jours, quand tu fais prendre, et tu fais aller prendre même côté à toujours, il faut qu'il y ait une enquête sérieuse pour qu'il connaisse qui source du feu. Commission interministérielle qui formée pour traiter dossier victime marché Hippolyte là commence travail pour arriver à dédommager marchand yo. Ministre condition femme et droit femme là Eunide Innocent fait connaître en attendant processus identification marchand victime yo fini. Ministère condition femme nan tête collé ak Onafam et puis caisse assistance sociale CAS a commencé distribuer enveloppe by marchand victime yo pour permettre de répondre à besoin et gens. Nous invitons à suivre l'extrait dans le micro Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duverne. Non, à travers l'organisation que nous voyons dans le marché avec coordonnatrice, nous avons joint plusieurs mondes des jeunes femmes qui sont dans le marché, qui sont des étudiantes que nous avons plusieurs, nous avons deux nous joints qui disent que nous sommes dans la faculté de droit. Et ce n'est pas droit, l'État que nous avons, c'est l'école que nous payons. Et que vous dites nous c'est à travers que business yo fait dans marché qui permettent de payer l'école yo. Gen des parents nous joignent tout qui montrent nos canets. Yo dit yo te gen cob dans marché que yo te serré parce que yo pas voulu à la caillou avec l'argent pour yo pas perdre ou bien pour yo pas utiliser là d'autres faits. Yo dit nous que comme ça yo perdu. Donc dans l'immédiat qui ça que n'a fait d'ailleurs en plus de tout ça ou qu'on est gen moun c'est au jour le jour que y a vivre. Yo pas qu'attendre moun ça ou non ça nous relie opération pas qu'attendre et nous dit que comme président répété la fait ça qui relé boucantin tan bouyi ça veut dire que c'est porter une assistance immédiate by monzao par exemple jeune demoiselle sao qui dit nous yoté dans faculté de droit après-midi encore moi pour qu'on rencontrer ensemble avec yo OK pour nous kawe comment que nous cap aider yo pour cap payer l'école et gen des moun nous obligé nous gen chita avec CAS nous chita toi avec Onafam pour nous si nous cap joine une enveloppe pour nous capable remettre moun sa yo pour que en attendant que grande décision que l'État prend que gouvernement prend les fiel mais nous bay moun n'a bay moun sa une enveloppe qui cap permettre yo subvenir à besoin yo en attendant que les grandes décisions en liste que pour aller nous nous-mêmes nous pral sur le terrain parce que en fait chaque espace yo te gagne yo gon un numéro qui identifié yo. OK, ça veut dire faut que moun nan vin nan espace là pour nous est-ce que c'est là effectivement moun nan teye te là et puis moun qui à côté ou à toi a identifié nous parce que nous connaît que chaque fois ça passé gain des fausses listes qui circuler de les vrais bénéficiaires gain là-dedans c'est pas tout qui qu'on bénéficier mais cette fois nous dit que n'a mené enquête n'a fait sous enquête tout pour justement pour que les vrais bénéficiaires c'est vrai victimes yo que lui et support que n'a porté on pas tant liste là vienne joindre nous parce que moi dit que gain des monde qui dans des besoins immédiats nous pas attendre gain monde qui depuis à marchandise yo fin brûler yo pas cap manger et nous même comme l'État doit nous responsabilité nous c'est accompagner moun yo ba yo assistance que yo mérité nous dire que n'a cherché des tiers enveloppes pour nous capable remettre yo momentanément provisoirement en attendant grande décision yo prend. L'autre dossier dans le journal ça Observatoire national jeunesse haïtien remettre by Palma haïtien vendredi 16 février yo ensemble avant proposition loi d'après vice-président affaires administratives chambre député Myriam Amilcar. Ensemble texte ça yo gagnent plusieurs parlementaires qui pral travail sou yo pour transformer yo en proposition. Yo extrait dans micro Fédéral confident ak Moïse Wilbridge. Aujourd'hui c'est une belle occasion côté que nous accompagner de directoire observatoire de la jeunesse haïtienne qui yo même qui ont structuré dans société civile là jeunes qui gagnent ensemble de avant projet de loi que vous même été voulu déposer dans le parlement mais comme on connaît la procédure là il a pas gain de rentrer au niveau de parlement comme ça il était voulu passer par de parlementaires qui pour t'apporter et dossier ça au niveau de parlement et pour ça t'est fait il était voulu faire de manière solennelle côté il a invité des jeunes au niveau de tout pays hein, qui en centaines qui venaient là ensemble dans séance symbolique pour remise de texte et de députés de sénateurs qui engagés pour capable transformer avant pour ça en proposition de loi et qui vous permettent que yo capable voter au niveau de parlement haïtien. Observatoire li gagné environ 10 avant projet mais cependant gagné au niveau de parlement gagné 4 parlementaires qui
sénateur Diepi a porté 3 propositions, moi-même député Amilcar a porté 2, gagné député député Louis-Marie Bonhomme qui a porté une proposition. Donc au fait gagné sénateur Nenel Kassitou qui a porté. Donc qui même qui était Stanley lui-même qui un peu moyen question en termes de proposition et qui a dit non, au fait reste mon parlementaire qui a porté proposition. Mais cependant nous connaissons que gagné environ 10 propositions de loi que secteur a même travaillé sur et qui remettent donc suite après le fait avec cabinet technique tout pour travailler sur avant projet ça pour permettre de transformer au niveau du parlement. Bon côté PAL, directeur exécutif Observatoire national jeunesse haïtien Stanley Augustin exprimé satisfaction sur déroulement en compte ça. Il expliquait ça prend environ une année pour travailler sur texte ça qui allait dans le sens intérêt jeunesse là. Monsieur Augustin dit cabinet technique observatoire après le travail plusieurs parlementaires cap aider au porter texte ça dans cadre transformation yo en proposition loi. Yo extrait toujours dans micro Fédéral confident avec Moïse Ulbrich. Un an côté nous avons décidé pour nous capable en atelier organiser ensemble de rencontres avec des structures de jeunes pour nous capable d'abord regarder qui ça problème qui vient dans le secteur et par rapport à ensemble de problèmes ça qui proposition que nous avons fait comme groupe de pression qui est dans société civile là cap défendre intérêt jeunes nous avons pensé pas important seulement pour nous faire pression sur l'État pour demander mais faut nous proposer l'État et ouais qui est capable accompagner notre travail que l'a fait et ça fait nous mêmes n'a pas accompagné parlement le travail pour légiférer dans ce sens nous avons une dizaine de textes de loi effectivement que nous déposé gens que une députée vice président Myriam Amilcar a supporté l'initiative ça et qui ensemble de textes l'a porté et annoncé ça il y a plusieurs textes et nous capable bon brièvement quelques textes qui sont importants et tout texte concernant la jeunesse. Il y a un texte qui a rapport à la création du Bureau national pour l'emploi des jeunes. Et pendant la consultation que nous avons au niveau du Parlement pendant l'année 2017, là, surtout en octobre, nous avons constaté qu'il y a dans la loi de financement une structure qui est créée au niveau du ministère Jeunesse, Sport et Action Civique, qui est le Bureau national pour l'emploi des jeunes, qui est créé et il y a un fonds qui est disponible pour lui, là, dans le budget. Or, pas aucune loi qui régit le fonctionnement ou l'organisation de structure pareille. Et donc nous pensons que c'est important pour nous être capable de tout profiter si nous faisons ça qui là, mais dit mais qui gens pour l'organiser, mais qui gens pour le créer. Donc c'est une autre texte que nous avons. Nous avons plusieurs textes qui concernent l'activité ça qui est les préfac. En Haïti, préfac a son cours intensif que les jeunes qui sont dans le filoa prennent pour préparer le concours d'admission dans l'université. Et pas aucun texte qui régule le fonctionnement de l'activité. Or, il y a des milliers de jeunes qui sont sortis tout partout, en dans pays, à venir en dans Port-au-Prince pour préparer le concours d'admission dans UHA particulièrement. Nous avons 15 000 bacheliers qui ont fini par année, l'université d'État qui a pris seulement 3 000. Donc, les jeunes veulent aller à côté pour préparer le concours. Or, pas aucun texte qui régule ça pour protéger les gens, pour leur sortir dans le filo, pour ne pas payer trop de cob, hein, mais tout pour assurer que les gens qui ont fait le cours dans le préfac, c'est des gens qui ont de formation adéquate pour ça. Donc, c'est plusieurs textes. Nous déposer une rapport bénévolat et volontariat pour permettre que les jeunes soient même capables d'une expérience ça et valider l'expérience ça gain un rapport avec ce CNEC national d'éducation à la citoyenneté parce que faut nous menons politique d'éducation à la citoyenneté donc c'est tout élément ça on toucher et nous déposer texte ça et nous content nous avons de parlementaires qui à bras ouverts choisi de texte qui Jean-José a annoncé en symbolique là, nous déposer texte, mais nous avons suivi pour le faire au niveau du bord d'observatoire avec cabinet technique pour capable améliorer, mais tout assurer que texte est voté au niveau du séance, mais pas seulement voter, l'heure fin voter, l'heure fin passer dans l'agenda législatif là, année 2018 là, mais nous capable appliquer et appliquer dans toute transparence. Gouvernement haïtien n'a pas enregistré aucun mort pendant 3 jours carnaval Port-au-Prince. Dans le cadre de la conférence bilan partiel, Premier ministre l'a réalisé vendredi 16 janvier-février 2018. L'autorité a dressé un bilan positif pour réalisation carnaval Port-au-Prince année ça. Johnny Arby Kaseus a présenté nous un compte rendu. Carnaval Port-au-Prince l'a réalisé sans gros incident. Ces déclarations, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine fait vendredi 16 février 2018. Chef gouvernement qui t'a présenté bilan partiel carnaval national là dit satisfait du déroulement festivité yo. Moi profiter de l'occasion pour remercier tout le monde qui est intervenu dans l'organisation carnaval. D'abord comité national qui fait un travail n'est-ce pas vrai côté que li mette ambiance non seulement à Port-au-Prince, mais au niveau des différents départements. Nous allons remercier tout de façon spéciale comité la mairie de Port-au-Prince. Et c'est une occasion quand même
pour me féliciter maire de Port-au-Prince là. Je remercier le gouvernement qui l'a. Parce que bien que il y a un comité carnaval, le gouvernement impliqué lui, n'est-ce pas vrai, dans sa totalité dans l'activité ça. Et chaque ministère dans ça qui concerne. Je profite pour me dire, nous, ce n'est pas seulement pour le carnaval là, que tout gouvernement ensemble. Maintenant, toute grosse activité qu'a fait déjà, m'a pas annoncé nous que nous allons faire inventaire de tout ça qui était fait avec recommandation. Et quel que soit le comité carnaval qui gagne pour le Cavini, nous avons déjà gagné les recommandations pour nous gagner un plus bel carnaval encore l'année prochaine, n'est-ce pas vrai? Parce que nous avons utilisé erreur du passé pour nous capables mieux nous organiser dans le futur. Ministère de Santé publique et population pas enregistré Kalamo pendant 3 jours grave. Selon le ministre de Santé publique et population, Marie-Greta Roy-Clément, te gen environ 877 carnavaliers qui étaient à prendre soin dans différents postes médicaux qui étaient sur champ de Masda. Nous te gen 23 ambulances mobilisées, plus de 200 secouristes, une centaine de médecins, une centaine d'infirmières, 10 psychologues, des agents de l'IBERS. Nous avons gagné plus de 1000 brigadiers, brigadiers de la protection civile, brigadiers de la mairie de Port-au-Prince, brigadiers de la délégation de l'Ouest, brigadiers de la sécurité publique. Donc, c'était ressources que nous avons gagné disponibles. Et nous avons gagné 13 postes médicaux sur tout parcours là qui étaient identifiés, je suppose, la presse TOL par des pancartes vertes qui étaient dit urgence médicale en créole. Nous avons reçu 877 personnes qui étaient passées dans le PMA. Et bonne nouvelle là, c'est que 760 personnes dans 877 personnes ont reçu soins immédiatement. Soit vous êtes retourné sous le parcours carnaval ou bien retourné la caille. Et nous avons gagné 35% de monde qui était passé sous PMA, qui était passé pour difficultés respiratoires. Reste mon yo te gagné à 90% des traumas mineurs qui étaient pris en charge au niveau des postes médicaux. Sous plan sécurité, la police nationale a arrêté 65 personnes. Selon responsable, toute disposition te prend pour permettre population fêter sans problème. Te gon command center qui te établi dans le ministère intérieur. Côté te gens te annoncé, te gen plusieurs caméras, on dit exactement 28 qui te établi un peu partout dans le carnaval. Grâce à ce que nous mettons en place là et que comme la police a été parable, non? Nous t'ai réussi mettre en pratique tout ça que nous avons annoncé. Nous travaillons à tous les niveaux. Nous commençons depuis la supervision char, stand, toute structure chaîne massa net. Et nous avons très collaboré avec la structure de secours que nous avons coiffé. Et nous avons eu ça comme résultat. La police a mobilisé plus de 1000 policiers. C'était un baptême Haïti sous route changement, Carnaval national 2018, l'a réalisé dans Port-au-Prince. 21 groupes musicaux, 13 bandes à pied, avec environ 3000 acteurs, ont participé dans des vidéos. Merci Abi Kaseus. Inspection générale police nationale d'Haïti présentée vendredi 16 février, ensemble activité réalisée pour l'année 2017 là. Porte-parole en après IGPNH là, Jean-Claude Benjamin, parlé sous série plainte inspection en recevoir pour mois janvier 2018 là. Yon contredi Rodney d'Orléans. Dans le cadre d'intervention inspection générale police nationale d'Haïti fait pour l'année 2017 passée, il traité un total 877 dossiers. Parmi eux, 804 plaintes directes, 48 plaintes qui sortent dans diverses directions départementales et puis il réagit sur 25 cas. Enquête qui était ouverte pour 867 plaintes, était au nombre de 854. Dossiers qui étaient signés et envoyés au directeur général, était au nombre de 809 pour l'année 2017. Et tu as gagné tout 2
demande de réintégration qui était approuvée, il y a trois demandes qui n'ont pas approuvé. Plainte que nous recevons, c'était en fait pour des allégations différentes, par exemple agression, et coups et blessures, menaces, violences. Il y a tout 27 plaintes pour abus d'autorité, il y a pour abus de confiance également. Il y a 7 plaintes pour déni d'engagement, il y a 69 plaintes pour dette. Donc c'est entre autres certaines plaintes que nous recevons pour l'année 2017. Là. Et il y a 22 tout renforcement d'effectifs. Nous estimons qu'il y a quelques côtés, qu'il y a quelques barrières qui vivent, c'est parce que l'effectif est trop faible. Donc nous recommandons pour yo renforcer l'effectif. Porte-parole en après IGPNH, là, Jean-Claude Benjamin, pote explication dans l'occasion sous façon enquête yo répartie par rapport à ensemble dossier inspection à recevoir. Acte d'enquête qui était réalisé par rapport à dossier ça qui était l'ouvri, il était au nombre de 7219. Donc 7219 actes d'enquête pour les 804 dossiers qui étaient l'ouvri dans l'inspection générale. Acte d'enquête ça est réparti comme ça, 1777 convocations, 1852 auditions, 333 enquêtes de voisinage, 368 invitations, 305 confrontations, 133 médiations, 135 mesures conservatoires, et bien tout 39 mesures d'isolement. Commissaire Jean-Claude Benjamin parle tout sous l'initiative IGPNH Lapran pour féliciter et puis honorer policiers pour bon comportement yo affiché dans cadre exercice travail pour année 2017 là. Inspection générale est arrivé faire 119 félicitations, c'est-à-dire 119 policiers. Nous avons estimé, alors la direction départementale a estimé que M. Sayo mérite, alors M. Dame Sayo a fait le job avec une certaine élégance, avec un certain professionnalisme. Donc nous avons recommandé à ce que tu aies 119 personnes qui aient une lettre de félicitations. Gagné tout, trois plaques d'honneur qui étaient attribuées. Plaque d'honneur Sayo, c'était Ludmo dans le Nord, tu as gagné une brigade d'intervention BI dans le Cap Haïtien. Te gagne toute l'équipe de la circulation dans Cap Haïtien. Pour moi janvier 2018 là, inspection générale police nationale d'Haïti déjà recevoir 52 plaintes. Yo réalisé dans cas ça 525 enquêtes dans l'idée pour bailler satisfaction à plaignant yo. La police a arrêté deux individus dans Konatel dans moment où t'es venu porter l'aide pour demander subvention dans l'institution ça sous nom première dame république là Martine Moïse. Chef paquet tribunal civil Port-au-Prince là maître Clamé Oknam Damayus dit li pokou en mezi pour révéler identité des individus ça yo pour pas entraver enquête là d'après ça il fait connait. Nous invite au suivre yon extrait. Jodi a moins gagné par exemple première dame nan. Donc, première dame de la République, que des mouns osent sous des fausses associations, fausses identités, a utilisé quatre professionnels de compétences première dame nan, et a utilisé fausses signatures première dame nan, pour y aller soutirer l'argent sous des entreprises, sous des institutions de l'État, et voie institution privée des ministères. Donc, li jodi an la, nous gagnons nan men nou deux moun que nous arrêté dans cadre enquête ça que n'ap mené sous des moun qui a utilisé fausse signature et qui a utilisé quatre premières dames nan pour yo gagner l'argent, ramasser l'argent de des ministères, de des institutions. Donc, pour nous permettre que population au courant de ça que des moun a fait comme activité criminelle qui en relé faux et usage de faux. Donc nous c'est à ce que pour nous mettre la presse au courant de ça. Je veux dire là nous avons gagné deux monde qui ont arrêté dans le dossier. Enquête là a continué et tout le monde qui impliqué dans le dossier ça. Côté que si m'a montré nous là, n'a pas des monde qui utilisé quatre premières dames là. Et il y a plusieurs des fausses cartes, même fausses signatures pour yo arriver soutirer l'argent dans le ministère et aussi dans des institutions autonomes du c'est qui est qui ça qui peine la justice effectivement coupable de très bien nous gagnons un régime de sanctions régime sanction pénale là
li prévoit entre les articles donc 114 et suivant code pénal qui traitait question faux et usage de faux. Dans ce cas, automatiquement yon moun tombe nan kasa yo ou risque des peines de travaux forcés à temps et pourquoi pas même des peines de travaux forcés à perpétuité. Ça dépend. N'après un coup de pause dans le journal, ça a été branché, n'a pas tourné. Ministère éducation nationale avec tout partenaire yo fait mettre campagne au programme qui relé l'école zanmi l'hygiène. Mes critères yo l'école doit respecter pour l'état reconnaître li c'est l'école zanmi l'hygiène. Faut que la cour l'école là bien clôturée, toujours propre et puis tout faut bien poubelle dans la cour avec en dans salle classe yo. L'école là doit gain plusieurs toilettes bien propres. Toilette grand monde doit pas. Toilette ti fille doit séparer avec toilette ti garçon. L'école là doit gain de l'eau avec savon pour laver mains et de l'eau traitée pour élèves yo boire. Faut gain séance formation sur l'hygiène pour ti moun yo au moins une fois par semaine. L'école là doit gagner tout yon clip santé cap veiller sous propreté en dans l'école là et puis tout réaliser au moins yon activité santé chaque année dans communauté. On mette bon gen qualité service l'hygiène dans l'école yo pour yon lot bon gen qualité l'école pour tout ti moun. Programme certification l'école zanmi l'hygiène, c'est BID qui finance l. L'a réalisé en partenariat avec Zinepa, MSPP, FAES. Dans l'actualité internationale, la ONG britannique là, Oxfam confirmé Roland Van Oermeiren te payé service jeune prostituée haïtien œuvré dans l'époque l'étape dirigé mission Oxfam nan en Haïti. Rapport a révélé tout implication trois lots employés. Suivez un reportage. Qui sorti dans l'année 2011, ancien directeur Oxfam en Haïti a utilisé service prostituée. Directeur Oxfam en Haïti à l'époque ça qui pas de d'accord même s'il était reconnaître li te gen rapport sexuel ak yon dame sans le pas payer. Enquête ça révélé Roland Van Oermeiren te reconnaître nan époque ça li te gen rapport ak jeune prostitué haïtien yo tout bon vrai la kayeli en Haïti. Toujours d'après enquête là, c'est ak l'agent Oxfam yo te payé jeune sa yo. Roland Van Oermeiren t'a travaillé nan pays après tremblement de terre, li te démissionné en après akize atal travail nan ONG français Action contre la faim. Rapport ça été finalement transmettre by autorité haïtien qui t'a voulu mener propre enquête pa yo. Rapport a révélé tout gen trois autres employés qui t'a impliqué dans dossier ça qui t'a menacé une nan collègue yo les ont relé pour témoigner dans cadre enquête interne ONG a tap mené. Toujours dans pays l'autre bord de l'eau aux États-Unis suite à fusillade qui t'est faite dans l'école Marjorie Stoneman Douglas Parkland dans l'état Floride, plusieurs élèves et parents fait appel à une mobilisation nationale. Sous pancarte qui t'est nommé parent à Kelevio ou Kali, ça c'est trop. Pour manifestants yo, mobilisation ça doit poursuivre jusqu'à ce que Maison Blanche à Congrès fait une loi pour plus bien contrôler les armes yo. Manifestants yo déjà mandé un gros marche 24 mars qui va venir là dans Washington. Dans l'école là, 17 adolescents perdit la vie yo en babal, ancien élève ça qui gagne 19 l'année. Dans l'année 2017, là c'est presque 15 600 moun qui perdit la vie yo en babal aux États-Unis. Non page sport championnat national football en première division saison 2018 là démarré week-end passé à non parc Saint-Thérèse Pétionville Don Bosco ak Fika fait match nul 2-2. Et puis international basketball 67e All-Star Game là déroulé hier dimanche là dans Los Angeles, équipe LeBron James là bat équipe Stephen Curry 148-145. Voilà, amis téléspectateurs, là nous mettez bout dans le journal ça pour jeudi. Merci pour fidélité et attention. Nous invitons à rester branchés Télévision Nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Rendez-vous à la salle des nouvelles là, c'est à 7h pour Téléjournal là. Bonsoir tout le monde.